Hey, salut à toi ami fan de l'Égypte, fan des assassins, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On est reparti, on est dans Alexandrie, on retrouve Bayek et on va aller s'occuper du chien de Doros, hein, le mec qui est au bain. On va aller se voir ça, hein, je sais pas vraiment ce qui m'attend mais on va aller se voir ça tranquillement. On va s'approcher un petit peu, on va appeler ses nous. Tiens, tant que j'y suis, je voulais dire, c'était bien un bug la dernière fois, donc le palais royal qui est ici, on voit que j'ai fini. Hein, en fait, lui m'a montré ça. C'était ce symbole qui montrait ce petit con et pas le truc de pillage que j'aurais dû voir normalement. Donc en gros, il montrait ça, mais sous un symbole normal, donc sans le je sais pas comment on peut appeler ça, le cadre autour et la base en blanc. On avait juste le symbole, je sais pas, il avait bugué, c'est nous a fini par m'en trouver le vrai, même s'il m'affichait quand même celui-là. Donc j'ai pu mettre fin à ce problème. Donc les bains, c'est juste devant. La cible est ici. Alors est-ce qu'il y a moyen de rentrer autrement? Ça c'est la question. Il y a l'air d'avoir des gardes, j'ai l'impression. Ou est-ce qu'on doit rentrer par la porte? La puerta. La puerta del sol. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen de rentrer. Peut-être là sur les côtés par les marchands, je ne sais pas. Voyons voir, par en haut il n'y a pas l'air. Malheureusement pour nous, il y aurait eu moyen de s'incruster peut-être. Je cherche, je regarde s'il n'y a pas une issue de secours, un truc. C'est bizarre quand même. Putain, s'il y avait le feu, t'étais mal barré. Bah ouais ma gueule. Mine de rien. C'est non, c'est un citoyen donc pas de problème. Bon bah. Pas moyen de voir, il n'y a pas l'air d'avoir d'issue. Donc on va retrouver Bayek et on va aller essayer de s'occuper de Doros en mode voilà tranquillou. Hein, genre on est en mode balade comme ça. Bonjour, ouais je viens prendre des bains parce que je pue. Hein, je pue le fauve. Ah merde, faut rester appuyé, putain, ça ce truc de rester appuyé, tu mets 3 heures à ouvrir une porte. Ouais ok, le truc est tout peut-être scripté. Ah, les assassinats, j'avoue que je suis pas super fan dans le jeu. Je les trouve pas extraordinaire, je trouve pas ça épique, on va dire, pour l'instant en tout cas. C'est un peu malheureux. Ah, petite cinématique dans les bains. Quand on va voir Bayek à poil. Ah ouais, on est en slip. Bonjour. Mode CNU est disponible, ah oui. Non mais je voulais... Non, c'était pour la blague, c'est bon, je m'en doutais. Il y a des trucs à piquer à part des slips. Ah, le truc c'est que j'ai pas de lame. Ah ouais, il y a des gardes aussi, il y a des mecs en slip. Mais je m'en fous vos trucs de dégueulasse là. Allez, yé. Allez bien. Je la nouille. Tout est bien à votre goût, seigneur. L'eau est bien tiède aujourd'hui. Ah merde, il faudrait que je passe les gardes, c'est ça? Comment ils insultent le pharaon? Alors la question c'est comment faire? J'essaye de réfléchir. Al seigneur, est-ce que tout vous convient? Qui me parle? Qu'on me prépare des César. À l'aide! Cet homme a perdu la raison! Ah bah ça je te confirme. Coup de latte. Ah merde, il m'a tranché. Bon, il y a moyen en fait de fumer peut-être discret sans faire un, on se fait le deuxième. Non mais je testais un peu. Mais là, ta coup de patate, ça a l'air de marcher en tout cas. Mais il n'y a pas moyen de faire mieux que ça. C'est vrai que sans armes, c'est un peu dégueulasse, mais non, je sais pas. C'est une bonne question. J'ai pas de lame secrète, rien. Non mais je vous demande comme ça. Ah si, en fait, fallait attendre, je crois, non? Non, bah non, les gardes arrivent en même temps que moi, en vrai. Tu sais qu'Aristo traîne Doros en justice pour plagiat? Non. J'adore. Il a appris de la bouche de la femme d'Aristo. À ce propos, tu as vu sa femme? Regarde-moi ce sublime. Tout est bien à votre goût, seigneur. L'eau est bien tiède aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, toi?
esprit. Fais gaffe. Voilà toi. Halte. Seigneur, est-ce que tout vous convient? Oui. Oh, déjà il m'a cramé. On me prépare des serviettes. Quoi, si je pouvais prendre un truc et passer à travers là? J'ai l'impression qu'on peut pas. Encore abusé du jus de la treille. Je me demande s'il faut attendre. Quelque chose pour vous, Seigneur. Ah, peut-être par au-dessus. Ah, il y a un creux. Voilà ma gueule, en fait fallait faire ça. Genre les gardes, le mec est en train de le savate, tu lui mets la misère la gueule dans l'eau. Mais là les gardes ils réagissent pas. Tu foutrais pas un peu ma gueule le jeu? Ah mais genre il a esquivé. Sérieux quoi. Qu'est-ce qu'il veut le petit gros? Bam patate. Oh, la vieille patate quand même. Hein. N'y croit pas une seconde. Ah bah si, il avait sa lame. Ah, il avait la lame. Ah, le con, il a perdu un doigt. C'est moi ou j'ai perdu un doigt? Oh, mais non! Je vais plus pouvoir mettre ma bague de fiançailles là ou de mariée. Plus à mou, mais ça change plein de trucs. Que les dieux te maudissent. Pourquoi veux-tu? Non, mais c'est déjà fait, je tiens à te le dire. Mais j'ai perdu un doigt. Rends mon doigt. C'est toi qui as tué mon fils sous mes yeux! Tu n'es qu'un fou. Au temple, à Siwa! Ce sinistre trou à rat perdu, je n'ai rien à voir avec ce désastre. Il est trop tard pour mentir. Anubis, t'attends. Un serpent. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Le serpent? Le serpent ne mourra jamais. Oh, il a retué son fils. Fils d'Apep. Le seigneur de la droite attend. Ah mais j'ai perdu un doigt. Pour tirer à l'arc ça va être un peu galère. Ouais parce que normalement on utilise ce doigt là plus le majeur il me semble. Si j'ai le truc là... Je réfléchis, mais ouais, quand tu bandes ton arc... je le balance dans l'eau. Voilà. Non, j'essaie de nettoyer. Attends, moi je veux voir mon dos. Tué. Oh, Eudoros, il a été tué. Regardez tout ce sang. Pourtant, il était si beau. C'est Eudoros. Oh, le pauvre. Eudoros a été tué. Mais genre les mecs, comment ils sont au courant? Oh, Septimius va nous crucifier. Trouvez le meurtrier. Personne ne sort. Bah moi je passe par au-dessus quoi. Mais non, mais grimpe. Mais non. Mais il est con. Là. Voilà, grimpe ici. Pas le débile. Ah, le mec il est plus agile que moi même s'il lui manque un doigt. Hey, quelque chose? Jusqu'ici rien. Et je voulais pas aller là. Putain mais t'es sérieux. Mais mec. T'en fais des détours. Hein. Oh mes mains ils sont passés à travers. Merde, y'a un mec, on va peut-être attendre. Qui compte se barrer ou pas? Ah bah quand même. Ouais, il a dû se cramer le pied, le mec. Oh, le truc qui met une plombe. Bon, en tout cas, ni vu, ni connu. Oh putain, oh, il va faire la barbare. Euh,
Je me casse en slip. Attends, j'ai perdu un doigt. Oh putain, ça fait chier quoi. Sa gueule, j'ai perdu un doigt. Bon, normalement, on peut retourner voir Aya, ça veut dire. Allons voir sa quête. On va aller la voir. On a fait les deux. Donc, mode OK. Non, mais je veux pas ça. Je peux pas descendre plus, là. Bon, bah, tant pis. Allons voir Aya. Allez voir Aya au panillon. Au panillon. Les compagnons du panillon. Je suis un salaud, je tue des gens. Bonjour. Ah, j'ai perdu un doigt, ouais, je suis un warrior. Pardon. Excusez-moi, attends, raccourci. Ah ouais, c'est là. Ah merde, il faut... Ah, mais il y a une autre entrée normalement, mais je vais reprendre la fosse. Allez. C'est bien parce que c'est toi et je suis à côté. Et que je... de toute façon, je sais plus où c'est le truc à côté, alors... On dirait que j'ai pas le choix. Ah bah non, en fait, elle m'attend là. Ouais, toi, t'as pas perdu un doigt, tu peux encore tirer à l'arbre. Comment elle se la pète avec son arc? M'énerve! Franchement, ça se fait pas en vrai. Mon amour. J'ai tué le serpent. Le serpent et Genadios sont morts. Voilà, on peut faire des bébés. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Non, ils vont nous faire des bébés ici. Ah bah voilà. Ah bah quel exemple. Non mais c'est bon. Ma femme. Il y a des hôtels pour ça, ma gueule. Bon, on a fumé le grand truc là-bas. Ça, on s'est occupé. Ah ouais, on va retrouver le présent, j'ai l'impression. On va retrouver Layla. Je ne fais que commencer. Mais il veut se venger de qui? Normalement, on a fumé tout le monde. Un maître à l'arc. J'ai fait quelques quêtes secondaires aussi dans le coin. Voilà, histoire de mettre à jour. Hey, je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans? Aya est là. C'est qui? La femme de Bayek. Je la sens, tout près. Tu la sens? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Ah, elle est excitée. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Il faut trouver la momie. C'est quoi? L'effet de transfert. Comment j'ai tout coupé? Ouais, y a des docus. Les notes de Bayek. Qu'est-ce qu'on a le droit? Il fait 19 degrés. C'est qui ça? Les fichiers disparus. Isabelle Ardent. La photo derrière, s'il vous plaît. Le fond d'écran, Desmond Miles. Alors ça, je m'en rappelle, c'est au début. Donc j'imagine qu'il y en a eu d'autres au fil du temps, mais Desmond Miles, ça je m'en rappelle, c'est dans les premiers. Ça c'est... j'ai pas perdu. Putain, il y a de quoi lire en vrai, ça a marché. Bon, il y a beaucoup de lectures. La population de Somblel l'admire et le respecte. Tiens, qu'est-ce qu'il dit sur Desmond? Ah, oh, dégage. Ah merde, j'avais pas fini de l'installer hier. Putain, j'avais fait exprès en plus de mettre à jour.
Voilà, désolé pour le rapport médical préliminaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, il y a des factures. Non, je déconne, c'est des trucs médicaux, j'imagine. On nous parle de gastro-intestinal en neuf. Des problèmes menstruels, bah non, c'est un mec. On est d'accord. Bon, rien de très folichon. Affiche de recherche, tiens. Have you seen this man? Rapport post-mortem. Donc on sait qu'il est mort, hein, moi qui n'ai pas suivi, je le sais. Voilà, on a des. Je pense, voilà, ils l'ont chopé. Il a pris cher le mec, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Putain, il avait une gueule de merde comme ça, je m'en rappelais plus. Là, il a écrit. Il a reçu 10 emails. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis d'elle, mais à travers des notes plutôt, je pense. Bah ouais, mais attends, tu me dis 34 mètres là. En dessous. Comment je descends? Je descends de là. J'ai toujours pas trouvé Aya. Donc là, ça c'est notre ami. C'est à moi de faire un saut de la foi. T'es sérieuse? Bon bah moi je le fais. Tu n'es pas en état de faire le moindre. Putain, ce que c'est froid. Bah moi elle me dit saute, je saute, hein. Je suis un ouf. On dirait le truc de leur enfant. J'avais raison, elle est là. Oh, t'es là. Le ciel soit loué. La lame d'assassin. Je sens déjà le goût du sang. Tu dérailles de plus en plus, Leïla. On doit faire notre rapport. Pas encore. Pas encore? Mais alors quand? Eh ben, pas facile de sortir d'ici. Bon, on va faire le grand tour. J'escalade. Et c'est dur. Alors, lâche-moi, tu veux? Bien. Préviens-moi quand tu seras en haut. C'est vrai, ça. Fous-moi la paix. Non, mais c'est bon, maintenant je maîtrise. Regarde. Hop là. Professionnel. Voilà, je suis Bayek. Je m'en Bayek l'écueil. Ouais, je le sens pas ton histoire là. Attends, je dois aller où là? Je dois aller là-bas? Ah, j'espère que tu maîtrises, t'avais de la chance. Franchement, j'ai eu peur que ce soit pas possible. Ouais, mais elle saute haut. J'y retourne. Pourquoi? Ah non, l'étoile d'araignée, c'est dégueulasse. ADN sur Aya. Je veux voir ses mémoires. Écoute, je comprends que ça t'excite, mais... Plus on prend ah, mais on va jouer la femme là, c'est ça l'idée? C'est mon rêve, je te signale. On va voir en gros... Ces deux assassinats qu'on n'a pas vus. Putain, j'espère que l'histoire c'est pas en bordel comme ça quand même. Ça aura aucun intérêt. Parce que je trouverais pas ça palpitant. J'ajoute l'ADN d'Aya dans l'animus. Le séquençage va prendre du temps. Tu ne pourras pas te synchroniser tout de suite. Leïla, il y a autre chose que tu dois savoir. Comme tu mélanges des séquences de gènes sans respecter le protocole, la transition entre mémoires sera sûrement imprévisible. L'imprévisible, ça m'a jamais dérangé. Ah oui? Moi, ça m'inquiète. Tu t'inquiètes pour tout. Allez, ok, on est reparti. Mode animus activé. Non, mais c'est bien parce qu'on avance dans l'histoire. C'est un épisode où on aura beaucoup avancé. Là on aura fini le chapitre précédent plus la version présent, donc c'est plutôt bien. Voilà, on avance. Non mais sa mère l'hypopète, que l'histoire elle a pas l'air captivante, je le dis franchement. Pour l'instant niveau histoire principale je suis pas super captivé. J'aime bien me promener dans l'Egypte, etc. Faire des petites quêtes, voilà, tout ce qui a trait à Bayek. Mais ce truc du présent, voilà, genre pourquoi on utilise Bayek et autres, ça a l'air un peu naze, quoi. C'est mon avis. J'en parlerai avec Butter, de toute façon, vu que lui il fait le jeu aussi en même temps que moi. J'ai découvert ça récemment. On était à peu près au même point, donc c'est bien, on pourra en discuter. J'aurai un second avis.
Mais je pensais qu'on était sur un toit. N'a pas terminé d'interpréter l'ADN. Ah ouais, voilà, ça déconne. Ah, ça fait de la merde. Ah non, j'ai encore d'accord. Bayek, c'est bon. D'accord. Ouais, moi je veux Bayek. Je m'en fous de sa femme, sérieux. J'aurais joué à Odyssée si je voulais choisir entre un homme ou une femme. Mais sérieux, si je jouais à Odyssée, je pense que je choisirais Cassandra. Je me demande si on se le fera, tiens, justement. Odyssée, un de ces quatre. Alors qu'il y a Butters qui m'embête, alors j'espère que vous ne serez pas dérangé par ça. Le serpent. Et s'il n'était pas le dernier? Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont tous morts. Justice est faite. Oh, ils ont fait du sexe. On voit un cul. On a vu le cul d'ailleurs. Apollodorus a les réponses. Il sait tout. Et où je peux le trouver, cet homme qui sait tant de choses? Auprès de Cléopâtre. Un homme peut y conduire, il est près de l'hippodrome. Hey! Non mais qu'est-ce que le jeu il sauvegarde? Je vais dire à Phanos que Gennadios est mort et je reviens. Bon alors c'est quoi la suite de l'histoire? Le mec qui fait le beau gosse, mais on dirait trop le mec qui vient du 21e siècle. Il a l'air un peu décalé dans ce moment-là. On a l'hippodrome. En tout cas, on nous en parle. Allons voir ça. Alors, où est-ce qu'on est censé aller? Alors, je fais gaffe parce qu'il y a les Philactaes là. Oh, il y a des genres mode vibration là. Il y a un mec qui est mort en route. Mais je m'en fous de ta life, moi. Je veux savoir où. Ouais, j'ai ouvert aussi un peu les zones. Histoire de visiter un peu. Hein. J'ai pré-commencé. Il y a des zones voilà, où c'était un peu mon niveau. Mais je me suis dit, on va pas tous taper ensemble quand même. Ah, je l'ai fait là-bas. Ah oui, c'est vrai. C'était le cheval de la meuf, je crois que j'ai été jusque là-bas. Attends, je comprends pas. Attends, si je fais quête peut-être. Médiaille de l'Egypte, bah, il faut être 12. Là, ça avance pas, ça a pas y que cherche. Ok. Donc j'imagine que ça, c'est dans le coin. Voilà, peut-être que maintenant... Ah, voilà, c'est vers là-bas. Ah, bah, j'avais raison, l'hippodrome. J'avais gardé cette quête-là en espérant que ce soit un truc d'hippodrome. J'aimerais bien vous montrer ça, justement. Bon, on va descendre. Prendre la route. Et puis, je serais d'avis que... On se fasse peut-être une petite course, ou je sais pas, voir un peu comment c'est. Ouais, c'est bon. Je croyais qu'il allait me sauter direct dans le vide. J'aurais pas trouvé ça cool. Pardon. Monture. Bien. Alors. Ouais, c'est par là, ok. Je fais gaffe quand même avec le truc pathfinding pour se promener, parce que j'ai vu qu'il écrasait les gens, genre rien à carrer. Hein. Des fois, il esquive pas les piétons. Et je veux dire, le mec, il est sans pitié. Ah bah voilà, regardez, là il pousse, mais j'en ai écrasé un comme ça. Et on m'a dit, c'est pas bien. Le média, il protège le peuple. C'est pas trop bien du tout, tout ça. Bah moi, je m'étais dit, j'en écrase un, hop, un point. Mais non, ça a pas l'air d'être comme ça. Et il est pas logique, au lieu de prendre à droite, non, il va esquiver là où c'est le plus long. Mettez-vous. Par contre, il me dit que c'est pas par là. Quoi que si, c'est peut-être parce que la ville, elle est bizarre. Et on prend pas de raccourci, en gros il faut que je sorte de la ville. Il me semble que la sortie est par là. Voilà. Merde. Voilà, parce que là j'ai l'impression de reculer, c'est pas cool. Je suis en train de faire le tour de la ville, j'en sais rien. Super louche. Je suis pas fan de ce pathfinding. Je le trouve très étrange. Mais c'est bien, moi ça me permet de vous parler, ça je suis fan ça. Non, en plus j'ai fait le minimum que je voulais faire, c'est-à-dire avancer dans l'histoire. Histoire qu'on ait des trucs un peu... Oh putain, il l'a écrasé.
Ah, j'avais dit, voilà, tu fais pas gaffe, tu tournes la tête, hein, une demi-seconde, voilà ce qui arrive. Écrase des civils. Vas-y, bouge ta race, toi. Espèce de chameau. Voilà, on va se mettre en mode manuel. Ah, mais c'est comme les avions, c'est cool le pilotage automatique, mais c'est dangereux. Non, mais là, je pense que je suis bon, je suis à la sortie. Alors là, on sait qu'il y a un mec qui est mort pas loin. Mais ça, on a déjà vu, donc c'est pas super important. Allez, on va aller vers l'hippodrome. Je crois que j'aurais pu carrément... Ah non, il me semble... Si, il y en a un, mais vers le nord. Donc j'aurais pu utiliser un TP pour aller vers le nord. Mais c'était au-dessus, donc j'aurais dû quand même faire de la route. Je pense qu'on aurait eu 300-400 mètres à faire. Mais c'est pas grave. Ouais, il me dit qu'il y a un objectif à proximité. Ah, parce que c'est là où je dois aller. Ok, j'ai la cible. Le contact d'Apollodorus. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ne flippe pas, je suis à 5 mètres à côté. Tu voudrais pas un peu de ma gueule? Je suis Bayek. Aya m'a envoyé voir Apollodorus. Chut, tu comprendras, je pense, que mon maître prenne des précautions vis-à-vis de ceux qu'il rencontre. J'ai une question à laquelle lui seul peut répondre. Je vais lui dire que tu cherches à le voir et qu'Aya te recommande. Attends ce soir. S'il accepte de te rencontrer, tu le trouveras près du phare. Ok, près du phare. L'hippodrome commémore l'un de ses plus grands champions. Il y aura de la bière et des jeux. Oh, ça, ça a l'air cool. Évidemment. Sérieusement, moi je dis on va se le faire. Il s'appelait Icarus. Et il voulait la gloire de l'hippodrome de Canos. Idole tonitruante et bien aimée. Sûr, ça, ça vous intéresse, les amis. Il y avait lui déjà qui a une quête. Donc on est à l'hippodrome de Lagione. Lui, il a une quête, mais je sais pas si ça va être ça. On va lui parler. Le bon vieux temps. On va se faire la petite quête. Je pense que c'est lié. Sénéfer, c'est toi, Bayek, la triste mine de Siwa. Je me nomme Claridas maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ça? Icarus était mille fois meilleur que toi. Qui va diriger les vers maintenant, Malakia? Tu têtes encore ta mère. Et tu penses pouvoir gagner le cursus Magnus? Tu rêves, mon pauvre. Laissez Nikias tranquille. La mort d'Icarus a été terrible pour nous tous. Laissez-le pleurer en paix. Oh, les racailles. Ouais, il a mangé, il a marché dans un kéké. Aya est avec toi? Oh, hé, hey, je suis tout seul. Je ne faisais que demander. Hey, c'est mon pied qui va te répondre. Peu importe. Viens nous retrouver à la taverne. Ok, mec. Bon, en gros, je suis pas obligé de le faire maintenant. Mais est-ce que j'ai le droit d'aller là? Ah, moi je dis on va aller visiter ça. Voilà, prochaine étape, prochain épisode, on va faire un tour à l'hippodrome. Je veux dire, voilà, on veut de l'action. Ah bah c'est cool, en plus il y a là-bas, j'ai direct le TP s'il fait nuit pour aller au mode histoire. Et juste là, justement, c'est le TP dont je parlais. Parce qu'il me semble que c'est le plus proche ici. Il n'y en a pas des masses dans le coin. Mais j'avais gardé un peu de quête secondaire, je m'étais dit, sait-on jamais, voilà, le truc hippodrome, ça pouvait être marrant. Mais en tout cas, il y a de l'hippodrome. Et des montures, ah, on peut gagner des montures, intéressant. Donc voilà, je pense qu'on va se faire ça la prochaine fois. En tout cas, les amis, d'ici là, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Hein. On se retrouve rapidement pour la suite des aventures de Bayek. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.